Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mario Kingdom Battle, enfin, Mario plus Rabbids. Donc c'est, comment on pourrait dire, quatrième épisode, voilà. Donc, on va tout de suite commencer. J'espère que vous allez bien péter la forme parce que oui, que le son est bon, que la vidéo est bonne, etc. Comme d'habitude. D'accord, ça ne peut pas encore rien faire. D'accord. Bon, c'est pas lui qu'on doit pousser. Hop, on remet celui-là là. Ça. Donc là, on va commencer le deuxième monde, le désert sorbet. Ça, j'ai pas encore appris à le faire. Est-ce que je peux pousser comme ça? Oui. Très bien. Hop. 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 Il manque des pièces. Un paquet même. Ah, elles sont là. Donc j'ai fait 7 sur 10 défis, premier monde. Et j'ai fait en stream, donc sur en VOD sur YouTube, le monde, le chapitre secret. Donc là, attends. On va changer d'équipe, on peut pas. On va pas. Ça m'étonnerait que ça passe, on sait jamais. On va tester. Mauvais côté. Ouais, ça passe pas. À cause du petit. Tout petit truc là. On reviendra ici plus tard. Allons pour le désert sorbet. Déjà champ. Fantastique cette région désertique, 4 fois prospère et maintenant partiellement jolie. Ta présence dans ce monde est aussi bienvenue qu'un putois sur une petite boule. Oh bonjour, vous avez vu Todd, on a été séparés. Encore ? Il trouve ça drôle. Il dit qu'il faut jeter la carte et se laisser guider par son cœur. S'il vous plaît, vous pouvez le retrouver, je commence à m'inquiéter. Je reste ici au cas où il reviendrait. Oups, j'ai oublié d'activer mon chronomètre, attendez un petit instant. Hop, là il se plie. Attendez, hein. En train de se lancer. Allez, ah, il est là. Hop, on lance le chrono. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai lancé deux fois. Voilà, top. Alors, on me dit quelque chose peut-être? Non, je ne l'ai pas encore retrouvé. Bon, là, le coffre. Hein. 5 gemmes de puissance, enfin 5 orbes de compétences plutôt.
premier combat. Je pense que je vais essayer d'atteindre le monde 3 aujourd'hui. On va faire le monde 1, enfin le monde 2 et le monde 3. Combien d'HP? 75. Ok. Utiliser le pouvoir héroïque comme on en a un paquet, que ça serve. Ça fait pas mal de dégâts, c'est bien. Time to play! Time to play! On va rester là. Allez, si tu t'envoles, ce sera bien. Loupé! Tour de l'ennemi. Ça me donne trop envie de faire XCOM 2. Hein. Merde. Ah non, ça prend. Ah non, je fais d'abord de quoi, je crois. Ouais, c'est qu'un. Je ne savais pas. Moi. Allez, un coup critique. Non. Là, j'ai 0% de chance de toucher. Je suis pas suffisamment proche. Hop. Pourquoi c'est sur lui qu'il fallait que ça rebondisse? I'm a winner. On le sait, ça qui est un winner. Allez, vas-y, bouge, bouge, bouge. Bye bye. Allez, bye bye. J'aurais peut-être dû utiliser le soin avant. Retour sur 5. Pour moi, c'est pas trop difficile. On voit 4. Non, je me disais, il y en avait un là. Mais non, je veux pas changer.
Non, je suis bête. Non, mais pourquoi j'ai pas... J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai fait la merde. Ah, c'était celui qui n'avait pas d'HP. Hop. Bon. Dire que c'est bon. Hein. Tour suivant. Ça devrait être mieux. Hop. C'est bon, il est mort de toute façon. Ça devrait être un parfait aussi là. Ah bah là ça rapporte plus d'argent d'un coup. Ça rapporte 900 pour les deux. J'ai 25 dégâts. Les armes en or.
Et la principale peut-être lui aussi. C'était quoi la nouvelle principale? Ouais, c'est bon. Barre de compétences aussi, j'ai oublié. C'est bon. Et on continue. Il a grossi, il y a sûrement un moyen d'arrêter. De pas en avant, un pas en arrière. Disponible, vous devez vaincre la paquetin qui vous empoisonne l'existence. Cependant, chacune de vos victoires les libère du gabug tout là-haut. Soyez attentifs quand vous battez un adversaire et vous verrez qu'il y a une partie de l'énergie perdue lors de la fusion avec les... Disons, on le voit aux émanations spectrales qui s'élèvent dans le ciel quand vous obtenez un chaos. Oui, je vois. Vaincre la paquetin le libère de l'influence du gabug, ce qui en pense. Oh, c'est très malin. Je... Oh mince, mais c'est une catastrophe. Notre seul espoir est de trouver Spotty et de l'empêcher de créer d'autres abominations qui ne feront qu'augmenter la tempête. Comme dirait Mario, let's go! Trouvons d'abord Todd et ensuite Spotty. Alors, let's go! On a encore le pouvoir du cristal. Je ne sais pas à quoi il sert. Hein. On aura de toute façon l'obligation de. De revisiter. Ah, ça va être très dur. Alors, beaucoup de puzzles comme ça, je pense. 5 orbes de puissance, très bien. Rien, on continue. Ziggy Sorbet. C'est pour expliquer la différence entre la glace et le terrain normal. Je m'étais déjà rendu compte que ce qui était pas. Que va-t-il nous passer dans ce 4 heures? Brawl, brawl. Oh non, pas ça. Cette boule, quoi. Pour voir ce qu'il y a là-bas.
Quoi cette boule disco au-dessus là? Le mot bois et l'essence du disco, il a le gros. Et on redescend. Ah d'accord, ça détruit ce passage. Et donc là-bas... Pas pour tout de suite non plus... Non. Des sous-vêtements partout. Causé à Pacrata, ce paysage autrefois majestueux ressemble désormais à une colocation d'étudiants. Bon, cette ville n'est pas assez grande pour eux. Le ravin du slip. J'ai cru dire le rayon du slip. Oh non, pas eux. Le pauvre jadis, il se veut la terreur en sillonnant joyeusement le royaume champignon. Et regardez-le maintenant, piégé dans de vulgaires sous-vêtements de la macrétin. Cruel destin. Pour remettre de l'ordre dans le royaume champion et la liberté et la dignité de pouvoir en dépend. On va aller loin. Là, ils ont craqué. Déjà bientôt moyen de fou. Est-ce qu'il y a un bouton pour recommencer? Ouais. L'empire s'accorde. On recommence. Ce que vous avez pas vu, c'est que ça fait tomber Luigi. Pour bouger. Hop. Allez, j'arte. Oh, flûte. J'aurais peut-être dû activer le regard avant. Tour suivant. Allez, vol. Flûte. Allez, on commence.
Est-ce qu'il a des armes au moins, mon autre rabbit? Voilà. Je vais me la jouer comme ça. Je vais le faire en parfait directement. Donc, s'il y en a un qui meurt, c'est foutu déjà. Très très bien. Et vol, putain. Glu. Yes. Oh, qu'on va devoir passer. Ok, donc par là-bas. Moi, je serai. Next. Alors, par contre, Hop. Non, il faut pas qu'on tue les ennemis, il faut juste qu'on se casse. J'ai peut-être dû tirer avant, c'est pas grave. Ah, c'est des petits... C'est trop loin, bordel. Thank you.
Tiens. Elle est là. Oui. Ah non, j'ai pas intérêt à mourir. Lui en danger grave. Allez, critique. Allez. Time to play. Je le sens mal. Je sens que Mario va mourir. Meurs pas, meurs pas. Oh putain. Ça va. Je survis à 2 HP. Voilà. Oh, ça va, heal. Ouf. Il y avait juste ça. Ah bah d'accord. Pourquoi pas. Je dis pas non. Alors là, c'est toutes les pièces. Donc ça, c'était le 1-2. Et c'est vrai que c'était une grande grande zone. QG de combat. Prochain qu'il faudrait que je prenne, c'est l'arme pour lui, c'est tout. Ah oui, j'ai pas regardé l'arme de compétence encore une fois. Mmh.
fou. On va regarder pour lui, j'ai un besoin. Bon, moi j'ai un besoin de plus. C'était pas facile, hein. J'étais mort sur la fin là, 2 PV près quoi. Et je sais à gauche. J'aurais peut-être dû faire d'abord ça. Peut-être acheter des armes qui seront useless là. Je suis fait. Oh merde. D'accord. C'est bon, je vois. Je sais comment faire. Allez. Non, c'est pas pour tout de suite ça. Désactive toi. On recommence. Je peux pas recommencer. Flûte. Non, une milliseconde près. Je peux finir à 100% ce jeu. Allez! Voilà! C'est pas dur! La boîte passe, l'ennemi trespasse. Enfin, trépasse plutôt que trespasse. Baby Bazaï, pas vous dire junior. Oh. Je vois que vous avez échappé à la création de Spunny dans la tour. Ne perdez pas de votre temps à vous féliciter. Avec Spawny à mes côtés, c'est bientôt vous qui sombrerez dans le vide. Alors, plus rien et personne ne pourra me donner d'ordre. Des ordres plutôt. Vous entendez? Personne. Papa? Papa, je suis un peu occupé là. Je ne suis pas en train de faire une fête. J'ai fini mes devoirs, enfin presque. Oui, j'ai sorti les poubelles. Ok, papa. Allez, Spawny, le travail n'est pas fini. Il faut qu'on écrase Mario et ses secrétaires. Papa sera fier. Je vois pas la difficulté en fait. Bah bon, je vois pas la difficulté.
Ta-da-da. Ok. Fight. Merde. Reconnaissent les soigneurs qui ont peur. Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. J'ai collecté des données sur les acolytes. Ce sont des piètres combattants, mais ils font d'excellents guérisseurs. De plus, même si leurs armes affichent peu de dégâts, elles génèrent facilement du bug. Soyez prudents. C'est bon. Il y a un personne à heal quand j'en aurai fini avec toi. Allez, Jart. Hop. Ça va, il n'y a pas encore grand chose, donc c'est tranquille. Comme ça. Hop là. Embêté, je vais me mettre devant lui. En deux tours sur cinq. Easy peasy. En fait, ce jeu Mario est pas trop pour les enfants, quoi. Les enfants galèrent à faire ça en parfait. Alors c'est juste moi qui cherche trop compliqué. Qui est tout à fait possible, bien entendu. Toad. Le lapin Mario, je vois. Oh, je suis content que vous soyez Toadette, c'est encore perdu. Tiens, donc elle nous a dit la chose sur... elle a dit ça. Bon, dans tous les cas, il faut aller la chercher. Pas facile, c'est très jeune et très dangereux. Et si vous me ramenez à Toadette, je ferai en sorte que vous soyez récompensé encore plus belle que c'est. Mais c'est bon. Nous sommes pas un service de livraison, nous avons un travail important à faire. Bien sûr, je pensais juste que ça pouvait vous intéresser.
Je n'ai pas réussi à le sortir de là, je crois que je suis pas très fort en casting. Vous aurez peut-être plus de chance, je peux même le porter pour que ça marche. On est dans notre combat contre Bowser Jr. Monsieur Todd, l'affaire est entendue. Youpi! Avec le glissier, je vais le récupérer. Après. Au pied de la tour. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Il y a quelque chose qui ressemble. Ok. Ah bah non, c'est ça. C'est juste un pont à faire. Oui, je croyais que c'était plus difficile que ça, moi. J'entends les petits lapins crétins qui s'amusent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se baignent. Ils se baignent nus? Ils sont tout le temps nus, de toute façon, les lapins crétins. Sauf les notes, ils sont des costumes. J'ai pas le pouvoir. On va revenir plus tard, quand on aura le pouvoir. J'avais vu qu'il y en a qui dormaient, j'ai pas vu leur texte, c'est pas grave. Pas grand utilité de toute façon. Hop. Déjà ça. Encore champi, mais m'intéresse pas. Regardez de côté, on sait jamais, il peut être utile. 20 de puissance. Ah ouais, d'accord. Ça va, t'as pas trop mal au crâne, toi mais... Waouh, vous avez réussi. Je n'ai plus de quête, il y a même pas de marché, donc... Je vais transporter votre ami pendant que vous m'aidez à retrouver Toadette. Tu es sûr que tu peux le porter tout seul? C'est si je fais de la muscu. Plus ma tête est très bien isolée. Je sens même pas le froid. Dans ce cas, ne perdons pas de temps et allons rejoindre sur le champ ton ami au sens de l'organisation moins déficient. Plus vite nous la retrouverons, plus vite notre ami surgelé pourra nous aider à vaincre Bowser Jr. Arrêtez d'acclaper, toi. Protéger Todd, il a pas d'armes, il se pense de placer ici. Faut que je le protège complet. Mario time!
Hop. Avant d'attaquer, on va faire tout ce qu'il faut. J'ai fait n'importe quoi déjà. Nice. Et nice. 3 en 1. Ça c'est bien grave. Il allait m'attaquer exprès. Attaquer celui-là qu'on est sûr de toucher. Il se dirige vers nous plutôt que vers Toad. Bon, je peux pas être beaucoup plus rapide que ça, hein. Je me déplace déjà au maximum vers Toad. Ah oui, je peux faire ça, c'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Mais ça crit, hein ? Ça crit, ça crit. Time to play ! Time to play ! Allez, meurs. Allez, je te laisse bouger, chien. Adieu. Je sais pas pourquoi je me suis mis exposé comme ça. C'est pas bien grave. J'aurais peut-être dû bouger lui en premier. Prochain tour, c'est bon. Attention, je peux pas être plus rapide. Je peux pas être plus rapide que ça. De soigneurs mais qui vont servir à rien. Aïe. Et voilà. 4 sur 4. Oh quand même. On va garder les pièces pour le moment, on n'aura pas d'utilité. Ah bah oui, bah c'est ce chemin là, je les aussi. À droite, on a déjà été.
un 4. La case départ. Encore escorté Todd. Oh mon non. Oh pas celle-là. Oh là là, ça va être long. On a pour une bonne vingtaine de minutes. Bon, je scoop les Todd. On va déjà mettre un buff de vitesse pour tout le monde. Et un peu de dégâts. Bon coup serait bien. 67, c'est pas bon. C'est mauvais. On reprend son temps. Bon, à 5 HP, j'ai fait 218. Mais bon. Petite idée, sinon je peux aller tout là-bas. Ok. Non, je vais pas aller là. Faut pas que je vous pile le fasse bouger là. Bien, ça s'est rapproché de là où je voulais aller.
sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être trop. Il y aura trop de tours. Normalement, il n'y a qu'un seul big pop, c'est celui-là là-bas. Donc on va se positionner là. Il faudra au moins encore 6 tours pour arriver là-bas, ça va être chaud. Les jardins. Je suis à 4 tours. Continue. Combien de mouvements on peut faire? 1, 2, 3, 4. Ah là, ça va être long. Très long. C'est pas normal, c'est pas marrant ça.
Oh non. Je vais me défendre. Non, non, putain. Oh, je suis un gros mongol. Oh là là, le gros teubé. Ah bah ouais, tu crois. Oh, si j'ai peint là. Je me dégoûte. Je me dégoûte. Alors que je crois en face. Et ben voilà. On va pas tarder à mourir aussi, lui. Dégoûté, je l'ai tué comme un loup. Nice. T'es glu, mec. Mec, il est glu, il bouge encore. Je pense que ce sera même pas assez là. Ah si, c'est bon. Oh non. Bah il va bien du coup hein. Oh, pas grave. Pas bien grave. On va continuer encore un peu jusqu'au 1-5. On s'arrêtera là. Dans cette vidéo du moins. Le 1-5 donc c'est le boss. La bande framboise. Non, j'ai pas vu ce cas. Ah, c'est même pas un allié. Ah.
Oh merde. Lizzie et Pyrocyclone, les génies du feu et de la glace. Oh, difficile. Déjà lancé ça. Allez, bouge, je vais te cluer au sol, moi, tu vois, ouais. Il va mourir, hein. Faut pas changer. Commencer la bataille. J'ai pas envie de le perdre celui-ci. J'ai pu facilement réussir, mais j'ai fait de n'importe quoi. Ouais, j'ai pas le choix par contre. Voilà. Voilà qui est déjà un peu mieux. Et de 1. Oh putain. Bon, on va le tenter. 75 toupies, je dis pas non. Ah.
Donc en jeu, ça nous permet d'utiliser nos compétences apparemment. On fout un peu. Normalement là ça devrait être bon. Bon, et puis bye bye. En 3 tours, on les aura tués. Bonsoir. Ah, je vois que notre invité frigorifié s'est décidé à nous rejoindre. J'ai pas une mutation originale, bien sûr, mais. Tout allié dans le combat qui se nous oppose à vos ingénieurs, et bien j'exagère de retourner au jeu de pitch pour faire le point avec notre nouvel ami. Ok. Lapa Mario, remonte-le, lâche-le et ne traîne pas dans le coin. Consulte l'ordre de Lapa Mario pour le préparer au combat. Voyage des armes. Ah oui, 109 points. Combien le prochain? 70. Ok. Lui, il faut bien impérativement lui monter sa vie. Et on va attendre une prochaine. Alors, est-ce que j'ai une nouvelle arme assez intéressante ou pas? Les 4 pompes.
Le miel sera intéressant. Ok, très bien. On va dire que ça c'est bon. Ah, y a rien ici, rien d'autre. Ok, et bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, on aura fait la moitié je pense du monde de fin. Okay, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tostel, pas de chez Iman HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, les jeux vidéo.